travaille sur le syndrome métabolique et j'étudie l'effet d'un régime appauvri en sel sur la fibrose cardiaque, qui est un des premiers symptômes liés à l'hypertension au cours de ce syndrome métabolique. Et ce régime en sel a un effet bénéfique. Nous essayons de comprendre les mécanismes qui justement médient cet effet bénéfique du régime appauvri en sel. Les avantages, c'est que cette fibrose cardiaque, elle apparaît et n'est pas diagnosticable au départ. Et donc, elle est irréversible. Et il est très intéressant de pouvoir la prévenir chez les patients, puisque ensuite, ça peut amener à des déficits au niveau diastolique, au niveau du cœur. Tout d'abord, c'est de pouvoir rencontrer des professionnels qui travaillent un petit peu dans le même domaine que moi. Donc, ça permet de développer des collaborations dans un premier temps. Dans un second temps, ça me permet de voir un petit peu tous les professionnels qui travaillent sur le domaine de la nutrition. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est très transversal et ça permet de faire des ponts entre les disciplines. Donc, c'est surtout la transversalité qui est intéressante. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses et de voir un petit peu tous les liens que l'on peut faire entre nous sur nos sujets de recherche. Et donc de voir autant de la pratique clinique que de la recherche fondamentale. Donc c'est ça qui est intéressant.